Good morgen, allez, Idan et Sus, aujourd'hui le Lunishmat, Machlouf Micha ben Masouda Rivka, Bat Levi Yitzhak, Avram Chayin Ober, Ben Fortuné Mazal, Doven Yudit et Nissan Ben Mafred. Si vous souhaitez vous dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Midot, Perek Gimel Mishnah Dalet. Echad Amna Kevesh, Vechad Amna Misbeach, Mi Bikat Bet Karem, Vechofrin Le Mata Meha Betula, Mevin Misham Avanim Shlemot, Shelouna Falem Barzel, Shah Barzel Posel Bingia, ou Biv Gima, Le Choldabar. נפגמה אחת מהן, היא פסולה וכולן כשרות, או מלבנין אותם פעמיים בשנה, אחת בפסח ואחת בחג, האכל פעם אחת בפסח, רבי אומר, כל ערב שבת מלבנין אותם במפה מפני הדמים, לא היו סדין אותן בכפיס של ברזל, שמייגע ויפסול, שהברזל נברא לקצר ימם של אדם והמזבח נברא להאריך ימם של אדם. Eino bedin sheyunaf amekatzer al hamarich, et on commence à traduire directement Echad Amna Kevesh. Qu'il s'agisse des pierres qui composent la rampe du Misbeach, Echad Amna Misbeach, ou qu'il s'agisse des pierres du Misbeach proprement dit, mi bikat bet karem, on les a portées depuis littéralement la vallée du Bet Kerem, un quartier à Jérusalem qui s'appelle Bet Kerem. Je ne sais pas si c'est le même du tout, aucune idée. En tout cas, Bet HaKerem, littéralement, Kerem, c'est un vignoble. Il y avait un lieu qui s'appelait Bet HaKerem, et on apportait des pierres de là-bas. Et on peut expliquer, d'abord, j'avance encore quelques petits mots. Vechofrin le mata me'a Betula, et quand on partait là-bas, on creusait là-bas, en dessous, jusqu'à qu'on arrive à la Betula, à la Vierge, c'est-à-dire au parterre Vierge, que c'est sûr qu'il n'a jamais été travaillé. Ou mevi'in misham avanim shlemot, et on rapportait là-bas des pierres entières, Shelohuna falehem barzel, qui n'a jamais été touché par du fer. Et c'est là que le principe de la Mishnah où je veux l'arriver. Pourquoi? Sha barzel posel banegia, car le fer invalide par le simple fait qu'il touche. Ou bib gima le choldavar. Et si ça a été écorché, alors par n'importe quoi. Et on s'arrête là déjà et on commence un petit peu à expliquer ce qui se passe. Comme on a découvert finalement à la fin du morceau que le fer invalide les pierres du Bet HaMikdash. Il y a une halakha, comme c'est dans le pasouk, il y a Vechi Tanif, quand tu construis un misbéar, je ne sais plus, Lotanif Alehem Barzel, tu n'étendras pas du fer pour le couper. Donc, pour le misbéar, d'abord je donne l'halakha pour le misbéar, on expliquera par extension pour tout le reste du Bet HaMikdash. Mais tout d'abord, pour le misbéach, les pierres du misbéach, il fallait le faire. Misbéach, vanim taase, li. Tu feras un parchat à chavois de Yitro. Misbéach, vanim taase, li. Et quand tu feras un misbéach avec des pierres, et ces pierres-là, ben, il fallait pas qu'elles aient été en contact avec du fer. Mais là, il y a une chumra extra, c'est que même, c'est pas juste quand tu vas le construire au Bet HaMikdash, même pour le sortir de la montagne, ouais, dans la carrière, lorsque tu vas partir pour sortir les pierres, et ben tu n'as pas le droit d'utiliser du fer. Mieux que ça encore, si toutefois tu vas utiliser un champ où on a passé la machrecha, la laboureuse, ou peu importe, n'importe quel ustensile qui aurait pu toucher, ben ça va invalider la pierre. Concrètement, ça, il suffirait en théorie de supprimer la pellicule extérieure qui était en contact. Mais en tout cas, il faut le faire, il faut le supprimer. Donc on a un problème avec les pierres, comment est-ce que... donc les pierres, bon, il y avait la fameuse histoire avec le chamir, que Shlomo Ameler, il a vu, il avait un verre pour pouvoir tailler les pierres. En tout cas, la Mishnah nous dit, tu sais quoi, donc, je te conseille, moi, va aller chercher dans un endroit qui s'appelle Bikat Bet Kerem, une vallée du Bet Kerem, où là-bas les pierres sont particulièrement lisses naturellement, donc tu auras moins de travail à faire. Et lorsque tu iras là-bas, donc, il faudra que tu creuses proprement, tu cherches un champ qui a un terrain qui n'a jamais été touché par la main humaine, et là-bas tu vas doucement supprimer jusqu'à que tu arrives à la pierre pour pouvoir l'extraire de là-bas. Et la Mishnah continue en me disant, « Shabarzel posel banigal, le fer invalide lorsqu'il touche, ou bib gima l'échol d'avar. » Et comme ça, le bartender explique, et pas que simplement le fer, mais n'importe quelle chose qui va écorcher la pierre du misbéach, il va la rendre invalide. Il y en a que le misbéach doit être entier. Si toutefois quelqu'un il a mis un coup, même avec un morceau de bois, sur le misbéach, et que ça fait que maintenant il y a une petite encoche, et bien il va falloir réparer cette encoche, la boucher avec du cidre, je pense que ça suffira.
Et voilà. Le Tiferet Israël rapporte ici quelque chose de très important. Apparemment, c'est au nom du Rambam, en fait, que toutes les halakhot très rigoureuses qu'on a portées, c'est spécifiquement sur le Misbéach. Tandis que pour le reste du Héchal, le. Comment dire, le Kodesh, quoi, et le Héchal, et même pour les pierres de la Hazara, alors là, pendant que tu les construis, lorsqu'elles arrivent Bemakom Kadosh, t'as plus le droit d'utiliser le fer, ou même de les. Que si elles prennent des encoches. Mais tant que tu es en train de les extraire de la montagne, alors tu as le droit d'utiliser le fer là-bas, pour le Echal. D'accord? La Mishnah continue en enseignant. Nifgema, Chatmen, Hip, Sola, Vekolan, Kshirot. Si toutefois il y en a eu une qui a été invalidée, qui a été touchée avec le fer, ou bien qui a été. Qui a eu, elle, était, elle a eu une encoche, eh bien, Nifgema, Chatmen, Hip, Sola, Vekolan, Kshirot. Elle est devenue invalide, mais le reste, elle reste valide. Donc. Il va falloir la supprimer, la faire sortir du misbéach et mettre une autre à sa place. On me l'a mis notan par Amaïm Bashana, Achad Bepesach ve Achad Bechag. Maintenant, on continue à te raconter, tu sais, sur le misbéach. On était mélabène, on le blanchissait, on le peignait avec de la chaux. Par Amaïm Bashana, deux fois par an, on le faisait. Achad Bepesach ve Achad Bechag. Il y a marqué Otan, il n'y a pas que le misbéach, même le Kevesh aussi. Et le Echal aussi, je pense aussi que c'était vrai. Non, le Echal, ça va être juste après. Donc, deux fois par an, une fois avant Pessah, une fois avant Chag, c'est Sukkot. Et Veha Echal, pas Machad, Pessah. Tandis que le Echal lui-même, le Echal, ça, eh bien, il était aussi tout blanc, mais il était moins sali. Parce que sur le Mizbéar, à chaque fois, on aspergeait du sang. Donc, il devenait rouge, après, ça devenait noir. Des fois, on versait du vin, des fois. Donc, il devenait très sale. Et donc, je te demande que deux fois par an, tu le blanchisses malgré tout. Tandis que le Echal, pas Machad Ba Pessah, mais juste une seule fois avant Pessah, on redémarre l'année, parce que Pessah c'est début de l'année, selon les comptes de la Torah, et là on repart maintenant avec un Echal tout blanc. Et donc il suffit une fois par an. Rabbi Omer, Rabbi enseigne, tu sais, Kol Erev Shabbat, Melamninotan Bemapam Ipnadamim, à chaque veille de Shabbat, de toute façon on partait passer, de toute façon on ne blanchissait pas, on ne faisait pas de la chaux. On partait le blanchir avec Bemapam Ipnadamim, avec une mappa, avec un chiffon. On supprimait, on mouillait, et on supprimait. Mais par contre, attention, de manière générale, Loayusadin Otan Bekafis Shel Barzel, il fallait veiller, il y avait un ustensile avec lequel les peintres de l'époque ils utilisaient, ça s'appelait un Kafis Shel Barzel, je ne sais pas quelle forme ça avait, un ustensile qui était un Kafis, qui était en fer. Shema, Iga, il faut pas, ben là, il faudra pas l'utiliser, tu en fabriques en bois, tu te débrouilles. Mais tu n'utiliseras pas celui qui est en fer. Pourquoi? Shemaïga avait sol de peur qu'il va le toucher en le passant pour pouvoir étaler la chaux. Peut-être qu'il va une fois rentrer un petit peu plus profondément dans la chaux et commencer à toucher la pierre et va rendre la pierre invalidée. Donc on n'utilisait pas le kafis et le barzel. On n'utilisait pas un kafis qui était en fer. Et pourquoi on est tellement strict sur le barzel? Alors premièrement, je suis un peu étonné par la Mishnah parce que toujours de manière générale, on dit toujours on ne cherche pas des raisons pourquoi ça est interdit. C'est interdit parce qu'Hachem l'a demandé. Maintenant, il y a malgré tout un remèze dans la mitzvah. Peut-être c'est l'intention de Michelin qui va me dire Shabarzan livra les Katsariamam Shaladam, car le fer a été créé pour raccourcir les jours de l'homme. Avec le fer, on fait la guerre, on tue, on fait des choses pas bien. Donc le fer dans son entité, dans son être, eh bien, c'est une des grandes fonctions qu'il a, c'est de raccourcir les jours de l'homme. Tandis que le Mizbéach, on livra elle allait à rire et. Nivra le harichiamav shel adam. Le misbéach, il a été créé pour rallonger les jours de l'homme, pas pour le raccourcir. L'antithèse du barzel. Et nobedin chez Yunaf a mekatser al amarich. De ce fait, il ne serait pas juste de laisser le mekatser, celui qui raccourcit les jours, entrer en contact avec celui qui rallonge les jours. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une plein de la salakotou.